La tension continue est le type de tension que vous pouvez retrouver dans les voitures et les appareils électroniques. C'est une tension de type linéaire qui contient toujours un positif et un négatif. Dans la grande majorité des cas, la tension utilisée est assez basse, 3,3 volts, 24 volts. Par contre, les téléviseurs d'aujourd'hui peuvent facilement utiliser des tensions beaucoup plus hautes pour l'activation des diodes électroluminescentes, les DEL communément appelées. En anglais, on dit des LED. Donc, soyez toujours prudent dans la vérification de ces appareils. Les appareils plus anciens utilisaient souvent la couleur rouge pour le fil positif et noir pour le négatif. Par contre, étant donné la variété des tensions utilisées aujourd'hui dans les appareils plus récents, la couleur n'est plus une référence. Prenez donc toujours le temps de vérifier le schéma électrique avant de procéder à un diagnostic. Si le schéma n'est pas disponible, vérifiez à partir d'où la tension continue débute. La seule chose à retenir est qu'il y a toujours un positif et un négatif. La vérification des circuits fonctionnant à tension continue se fait surtout en vérifiant la valeur des tensions en gardant le côté négatif du multimètre au châssis de l'appareil. Une combinaison de tests de tension et de continuité aidera à déterminer toute cause de panne. Tout comme les circuits en tension alternative, la vérification des composantes se fait selon l'élément à vérifier, résistance, diode, condensateur, etc. On va commencer avec un petit adaptateur comme ça que tout le monde a chez lui, chez eux. Quelque chose de semblable. Moi, j'en ai un ici. La première chose à faire quand on vérifie un adaptateur comme ça, c'est d'aller lire les informations. Souvent, c'est écrit en tout petit. Ça prend une loupe. Mais il y a toujours les informations. Comme vous le voyez à l'image en ce moment, il y a trois choses importantes à vérifier. Mais quatre, même si ça vient, quand ça vient d'un autre pays, dans ce cas-là, on tombe à quatre choses à vérifier. La première chose à vérifier, c'est le input. Souvent, il est marqué le input. Moi, ici, il est marqué entre 100 et 240 volts. Faites attention, par contre, si c'est un adaptateur qui vient d'un autre pays et qu'il est marqué seulement 240 volts, là, si vous le mettez chez vous, vous le branchez chez vous, vous risquez d'avoir un petit problème de manque de voltage. Probablement que ça ne causera pas de dommages, mais ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on a toujours le input. Ici, comme je dis, j'ai 100, 240 volts, 50, 60 Hz. 50 Hz, c'est en Europe souvent qu'on retrouve ça. 60 Hz, c'est en Amérique du Nord. La chose la plus importante en premier à vérifier, c'est le output. Ici, j'ai 12 volts et la deuxième chose, 1 ampère. 12 volts, 1 ampère, c'est ce que mon appareil a besoin pour fonctionner. Si l'adaptateur venait avec votre appareil, c'est ce qu'il avait besoin pour fonctionner. Si jamais vous changez l'adaptateur et que vous dites, je suis correct, j'ai 12 volts, mais il est marqué 200 mA, exemple, à côté, je peux vous garantir que vous allez avoir des problèmes. Ça m'est arrivé ici avec un de mes clients qui avait acheté quelque chose pour brancher une glacière électrique, mais il n'y avait pas assez d'ampérage. Il n'était pas capable de l'allumer avec. Donc, si cet ampérage-là est un peu plus haut, ça ne dérange pas. Ça va fonctionner pareil. Mais jamais plus bas. S'il est trop bas, ça ne fonctionnera pas. Dernière chose à vérifier, la polarité. La polarité, là, c'est pour vous dire, sur la prise ici, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif. En ce moment, le centre ici est indiqué comme étant le positif, puis l'extérieur, le négatif. Donc, si vous changez d'adaptateur ou que vous avez un adaptateur universel, faites très attention. Si vous inversez les voltages, ça peut faire des dommages à l'appareil. Donc, on va commencer par vérifier le voltage de ça, cet adaptateur-là, qui se pourrait sortir 12 volts dessus. Ça fait que je vais allumer mon multimètre. Je vais brancher mon adaptateur et en prenant des petits fils,
je vais venir chercher la connexion à l'interne, puis la connexion à l'externe. Pas facile à aller chercher. Je pense que je l'ai. Oui. Regardez, j'ai 12,2 volts. Donc, ça, il faut faire attention. C'est pas facile à aller chercher des fois. J'ai 12,2 volts. Donc, cet adaptateur-là, il est bon. Puis, comme j'avais expliqué en courant continu comme ça, ou en voltage, en tension continue, si je me branche à l'envers, mais votre multimètre va l'indiquer. Je me branche ici. Et voilà, moins 12,2. Pas évident de se brancher dedans, c'est tout petit, cela là. Vous voyez que j'ai un négatif, là. Donc, vous voyez comment qu'on peut vérifier le voltage d'un adaptateur. Pour vérifier l'ampérage, ça, on va voir ça un petit peu plus loin, parce que c'est plus complexe, vérifier l'ampérage. Ça prend un petit montage sur un circuit, puis ça, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Comme pour le courant continu, le courant alternatif, je veux dire, l'affichage DC indique qu'on est en courant continu. Automatique, vous avez aussi, encore une fois, les échelles, comme on retrouvait au niveau du voltage de la tension alternative. Là, on a la tension continue ici, mais c'est la même chose, on peut jouer avec les échelles. Je vous conseille de vraiment vérifier ça, de vous habituer à travailler avec ça, parce que le mode automatique peut souvent vous porter à confusion. C'est juste ce que je peux vous dire là-dessus. Autre chose sur le multimètre aussi, on a le MV ici. Ici, c'est les millivolts. Quand on vérifie en millivolts, c'est parce qu'on est vraiment dans un petit circuit interne, c'est beaucoup plus rare qu'on va aller utiliser cette fonction-là. Donc, vous l'avez, comme moi ici, vous l'avez, probablement sur tous les multimètres, il est disponible. Ça fait que vous avez la fonction millivolt ici, ça tombe dans ce cas-là en dessous de 1 volt. On est vraiment en dessous, dans les décimales. Et c'est, comme je vous dis, c'est assez rare qu'on va vérifier ça. Bloc d'alimentation ici, un power supply pour un téléviseur. On a le branchement ici. Généralement, à l'intérieur de ça, vous allez voir que il y a un petit pointillé. Dans bien des cas, il y a un petit pointillé qui m'indique qu'est-ce qui est en haut voltage puis qu'est-ce qui est en bas voltage. Souvent, ils vont vous indiquer hot, cold, chaud et froid. Ce qui est dans le chaud fonctionne en courant alternatif assez élevé. On parle de 120 volts. Puis ce qui est dans le froid, ben là, on tombe dans les 12, 24 volts et ainsi de suite en format en voltage DC. Ici, je l'ai représenté par un pointillé. Mon pointillé fait le tour ici, il revient ici et il arrête là. De ce côté-là, ici, c'est de la tension alternative, pas nécessairement partout, parce que si je vois qu'il y a un bridge rectifier, on va en parler un peu plus loin. Mais c'est du voltage qui est très élevé. Pas du voltage, mais de la tension. Parce que voltage, c'est un anglicisme. J'ai appris ça même moi. Ici, c'est vraiment ce qu'il y a de bas voltage qui va aller vers le téléviseur. Souvent aussi, les circuits vont vous indiquer telle connexion à tel voltage. Et quand je vous dis qu'il y a différents voltages, j'ai ici du 12 volts, du 12 volts, du 24 volts, du 3,5 volts. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir différents voltages qui sont passés là-dedans. Ça, généralement, ça s'en va vers le panneau, la carte mère de la télévision. Donc, quand je vérifie, mais je viens vérifier tout le temps à partir du négatif, je vais prendre mon négatif ici. Je vais me brancher sur mon négatif là.
Si je vérifie justement les trois fils d'entrée de courant ici, j'ai le blanc, le noir puis le vert. Le vert, c'est la mise à la terre. Si je me branche dessus, eh bien, on voit que ça vient le rejoindre sans problème. Ça fait que ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on peut vérifier un circuit là-dedans. On va revenir beaucoup plus détaillé un peu plus loin, là. Mais avec le multimètre, vous voyez comment est-ce qu'on peut vérifier ça. Ça ressemble à ça.